Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans ce Let's Play de Rayman 3 avec Ellie. Bon là on doit juste activer les trucs pour tuer les... Non mais sérieusement? Voilà. Bon là il y a un petit passage secret du coup là. Mince, j'en ai oublié un. Bon, c'est pas grave. Passons et allons directement au guérisseur. Non, 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 rien ne me fera décoller d'ici. Non! Mais tu viens avec moi. Moi, pour savoir chasser mauvaise énergie. Regarde. J'ai pas l'habitude de marcher à la baguette. Vraiment, c'est ce que voir nous allons. Otto. À vos ordres, maître. Oui, tu peux venir plus vite. Ouais, une thérapie de groupe. Ouais, super méga global, overcool, ouais. Il joue super bien quand même. Si elle trouve de l'énergie pour se multiplier, nous sommes perdus. Exactement. Bon, bah, comme vous pouvez voir, André est maintenant libre. Je sais que tu rêves de te venger de Rayman. Moi, j'ai besoin d'énergie pour me multiplier. Vole le sceptre de ton roi et je t'offrirai Rayman sur un plateau. Bon, voilà. Reflux et André, ce seront alliés, on va dire. Reflux et André se sont unifiés et ils ont volé les sceptres de Kumzi, l'enfant roi des Knalines. Oh, ils vont pouvoir invoquer le Leptis et gagner un max de puissance. Oh là là. Cette porte donne sur un raccourci qui vous permettra de les rattraper. Dépêchez-vous! Ils sont gentils, les guérisseurs, mais s'ils veulent qu'on se dépêche, ils n'ont qu'à nous filer un coup de main. C'est vrai! Exagère un peu avec Globox. Hein. Ils ont pas que ça qu'à faire.
Bon, comme vous voyez, du coup, on est reparti pour une bataille de chaussures. J'ai ramassé les deux. Bizarre ça. Bon, elle est où cette chaussure? Et what? Mais elle se téléporte cette chaussure ou quoi? Mais regardez, elle est là, elle était là, puis là elle a disparu quoi. Raté. Oh mais sérieusement. Mais elle est passée où encore? Mais elle se téléporte cette chaussure. C'est scandaleux. Voilà. Alors, déjà, il y a une araignée là sur le pied du petit être. Voilà. Avec un x2, c'est bien. Et là, ici, il y a un petit passage secret. Voilà. Alors comme vous voyez, il y a une jauge jaune là, c'est pas un boss, c'est juste des couronnes qu'il faut ramasser. Là c'est un peu un monde spécial où on doit ramasser un peu des couronnes un peu partout. C'est ce qu'ils appellent un raccourci. Comme si on avait le temps de jouer. T'as réussi quoi, Globox? T'as rien fait. Voilà. Le premier raccourci est fait du coup. Et c'est un beau 100%. Comment ça n'est pas encore arrivé? Et les guérisseurs ont appelé. Oh, regardez-moi cet imbécile là. Rayman, tu peux pas aller jouer ailleurs, j'ai besoin de silence pour me concentrer. Cléto, Beradan, Nikto. Cléto. Je vous jure. Il est vraiment con ce mec. Bon bref, en tout cas cette porte ne s'ouvre que seulement pour ceux qui ramassent tous les couronnes en fait. Et pas en disant une espèce d'incantation là, ils se prennent dans Alibaba ou quoi là. Et du coup, bah là, il y a beaucoup de couronnes quand même à ramasser. Et chaque niveau, il me semble qu'il y en a un peu plus à ramasser. Non! C'est raté. Oui, parce qu'on a du temps, du coup, comme on aurait pu le deviner avec ce chrono qui se lance. Hein. Et du coup, bah, il faut arriver à l'endroit là où il y a des couronnes avant que ça se ferme. Voilà, je m'en doutais qu'il y avait un truc ici. Je m'en souvenais.
Oui, ici d'ailleurs, il y a beaucoup de trucs cachés, hein, du coup. Non, mais pourquoi tu tombes là? Bon, bref. Et de toute façon, là, il faut suivre le chemin hein, jusqu'à avoir toutes les couronnes. Hein. Comme là, je vous l'ai dit, hein, il y en a beaucoup plus que dans l'autre. Hein. Voilà. Non, mais il y a des sacrés lags. Hein. Bon bref, de toute façon là, on a bientôt fini. Des fois les miroirs ils peuvent révéler les secrets, donc à bien garder aussi. Comme là actuellement vous voyez, il y a une porte dans le miroir en bas, mais dans là on... Ici là il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de porte. Parce que c'est une porte cachée actuellement. Comme les plateformes, hein, j'ai envie de dire, ils sont invisibles pour nous, mais grâce au miroir, on peut les voir. Voilà. Voilà. C'était pas facile, mais j'y suis arrivé. Rotlou, Rier, Stagne. Mais qu'est-ce que tu racontes, Globox? Alors, là, il y a une araignée. Et là, il y a un petit truc. J'aurais aimé les avoir en même temps, mais j'ai raté. Ouais, bon. Il fallait les avoir en même temps pour avoir un 100%, mais bon. Ce n'est point grave. Le raccourci fait un nouveau détour. Je sens que ça va encore être à moi de jouer. Oh, bien sûr, à toi de jouer. Vas-y, MS, fais-toi mumuse avec ce miroir. Moi, je m'en vais faire vraiment du travail sérieux. Sérieusement, comme s'il croyait que c'est, clairement il fallait dire une incantation pour ouvrir ce truc. Allez. C'est bon, je passe au-dessus. Alors, pour ce passage secret, là, il faut juste frapper. Frapper fort. Le cercle qui est juste là, là. Voilà. Bon, je vais chercher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Si vous connaissez, ça fait une référence à Rayman 2, hein. La statue qui est en plein milieu. Ça fait référence à Lee, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Voilà. Bon, on récupère toujours les couronnes du coup.
parce que de toute façon, on peut faire que ça pour déverrouiller le miroir, hein. Et pas dire je ne sais quoi comme incantation là. Soyez pas comme Glovox. Bon, bref. Voilà, ça c'est fait. Bah, comme vous voyez, de toute façon, actuellement il y a des couronnes un peu partout. Et là on arrive vers les dernières. Non, non, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bref. Non mais Rayman! Je te demande de grimper, pas de... Voilà quoi, de tomber. Non mais là quoi, il... Connard, va. Voilà, on a fini avec ça. On peut retourner vers le miroir. Et voir Globox l'imbécile nous dire des incantations à la con. T'en es un! Je te jure, hein. Si t'aurais été là, ça aurait été beaucoup mieux. Si t'en aurais été pas là, c'est ou bien un mot. Ils réduiront le monde en fumée, hein. Prenez les bateaux et rattrapez-les. Bon, bref. Tout ceci, c'est bien. Mais voilà, c'est encore moi qui vais devoir tout faire. Je vais pas faire ce niveau parce que actuellement il est un peu long. Bon, bah du coup, salut, à une prochaine. Salut, bye bye.